Je m'appelle Marc-Antoine Vaumilière. J'ai traversé le fleuve Congo qui sépare Kinshasa de Brazzaville. Et je fuis Kinshasa parce que je craignais pour ma vie. En arrivant à Brazzaville, j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, parce que du coup, la prison était derrière moi. Après toutes ces années de torture, toutes ces années d'humiliation, c'était comme une nouvelle naissance pour moi et que je pouvais recommencer, rebâtir ma vie. Une vie provisoire. Ils sont des millions et des millions d'hommes. Ah, ah, pam, 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 pam. Bien fixé là. Tu regardes le milieu de la scène. Tu dois être capable de transmettre les émotions à travers ton visage, ton regard. Un focus. En faisant ce théâtre, je recherche un résultat. C'est que les droits de l'homme soient plus respectés. Mais c'est aussi un combat, plus particulièrement par rapport à mon pays, pour obtenir la libération des prisonniers politiques, la libération de ces personnes qui sont injustement incarcérées depuis des années. On m'a dit que je parlais trop et que cela n'était pas bien. On m'a fait taire. Pour un homme qui pense, la mort la plus grave est celle où on est condamné à taire ce qu'on pense. C'est une terrible asphyxie. J'ai perdu toutes mes illusions. J'avais 20 ans et j'en ai eu assez. Quand la rébellion de Laurent Désiré Kabila a commencé dans le Kivu à l'est de mon pays. Et auparavant, j'avais milité dans l'opposition. Je voulais voir les changements dans mon pays. Mon pays était sous la dictature de M. Mobutu depuis 32 ans. Mais l'opposition n'arrivait pas à renverser la vapeur. Parce que Mobutu faisait preuve d'une répression incroyable. Alors quand l'AFDEL, le mouvement de Laurent Désiré Kabila, est arrivé avec une armée, je me suis dit, tiens, c'est le moment de changer les choses. On nous parlait de Che Guevara, on nous parlait un peu de marxisme, on nous parlait de Thomas Sankara, qui est un révolutionnaire africain. C'était vraiment un mouvement qui s'inscrivait dans la continuité des grands mouvements révolutionnaires à travers le monde. Et je ne pouvais qu'adhérer à cela. Une fois que l'AFDEL a pris le pouvoir, j'ai été nommé agent de renseignement à la présidence. Mais petit à petit, le mouvement a changé de visage pour devenir une dictature. Il m'est arrivé à l'esprit de démissionner. Mais si j'avais démissionné à ce moment-là, c'était le poteau d'exécution. C'était la trahison. Je suis resté, j'ai attendu. Et puis les choses ont évolué, c'est vrai, mais mal pour moi. Quand le président de mon pays, Laurent Désiré Kabila, est assassiné, plusieurs personnes ont été arrêtées. Au départ, il y a un garde du corps qui tire sur le président de la République. Mais on ne sait pas retrouver les commanditaires. Alors, pour expliquer à la population qu'on a attrapé ceux qui ont tué les chefs de l'État, qu'on a attrapé les commanditaires, il fallait créer une théorie du complot. Autour de ce garde du corps, comme il était du Kivu, on a grossi la chose. On va élargir le cercle autour de cette personne et on va aller jusqu'aux autres gardes rapprochés qui sont originaires du Kivu. Le cercle va s'élargir encore davantage jusque vers les personnes qui travaillent dans l'administration, dans le renseignement, dans l'armée et autour de Laurent Désiré Kabila. On se retrouve dans un procès où c'est les Katangais qui accusent les Kivusiens d'avoir assassiné le président parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. J'ai été amené à ce procès par celui qui était mon chef direct dans le service, qui était Katangais, et qui m'a présenté là-bas pour des questions d'un rapport que je n'aurais pas présenté, mais que moi j'ai présenté, et ça n'avait rien, absolument rien à voir avec les événements qui ont conduit Laurent Désiré Kabila à être assassiné. Au fait d'ancien pour lequel il avait été condamné.
ils ont condamné 85 personnes, dont 30 personnes à la peine capitale, parmi lesquelles moi. Messieurs, vous m'y en quoi ? La Cour le condamne à une peine de vie plus forte, soit la peine capitale. Justin Mirin, la Cour le condamne. Ils m'ont condamné à mort pour trahison, mais à ce moment-là, j'ai senti que c'était eux qui m'ont trahi. Ils ont trahi mon enthousiasme, ils ont trahi ma foi en ce que je croyais être une révolution, mais qui était en fait une grosse escroquerie. À faire rentrer une caméra que j'avais cachée dans la poche de ma Bible. C'était pour moi un besoin de témoigner de l'horreur que je vivais tous les jours. Si je ne lis pas, si je n'écris pas, je sens comme si je cessais de vivre. Je suis un peu comme chez Zarad, qui devait raconter des histoires toute la nuit pour repousser la mort. Voilà un peu mon rapport à l'écriture. Écrire pour exister. La prison centrale de Kinshasa, généralement connue comme la prison de Makala, est organisée un peu comme le pays lui-même est organisé. C'est-à-dire sur la base de la corruption, sur la base de l'hypocrisie, sur la base de la violence. Dans cette prison, le personnel pénitentiaire n'a pas le pouvoir de contrôler. C'est plutôt un groupe de prisonniers organisé par le directeur de la prison. Ce groupe s'appelle le comité d'encadrement. C'est des prisonniers qui sont en fait des bandits de grand chemin à qui on donne beaucoup de pouvoir sur les autres prisonniers, notamment sur les prisonniers politiques, pour les mater. Ils contrôlent les différents trafics qui se font en prison. Ils sont capables d'interdire des visites à certains prisonniers, d'en autoriser pour d'autres, et ainsi de suite. Ils ont le contrôle total sur la vie des autres prisonniers et ils en abusent terriblement. Il n'y a pas de nourriture pour les prisonniers. Les rares fois qu'il y a un peu de nourriture, qui est apportée parfois par des ONG ou par des personnes volontaires, eh bien cette nourriture-là est contrôlée par le comité d'encadrement, qui se sert en premier et qui ensuite pourra donner une petite partie aux plus démunis de la prison. La nourriture qui est servie là-bas, c'est des haricots, un mélange de haricots et de maïs bouillis, sans sel, presque sans huile. Du coup, les prisonniers deviennent de plus en plus affaiblis. Ils deviennent malades. C'est des personnes qui souvent n'ont pas de visite, qui ne comptent que sur cette nourriture-là pour pouvoir vivre. Et quand ils deviennent malades, ils sont faibles, on les met dans un même pavillon. On les appelle les moribonds. Et ces prisonniers-là, souvent, c'est des petits voleurs, des gens qui ont volé des poulets, des gens qui n'ont pas d'avocat. Ils font des années avant de voir un juge. Et il arrive qu'ils meurent avant même de pouvoir voir un juge. Ils sont complètement oubliés parce qu'ils n'ont personne qui puisse parler pour eux.
Moi, j'avais la chance que ma famille m'apportait à manger. Ma famille me donnait un peu d'argent. J'avais une cellule, un lit. Mais pour avoir tout cela, il fallait payer régulièrement de l'argent au directeur et aux membres du comité d'encadrement. Et surtout, il fallait fermer sa bouche, ne pas se montrer trop critique envers eux pour pouvoir continuer à avoir de telles conditions. Il fallait que chaque prisonnier politique soit sous surveillance parce qu'on supposait qu'il pouvait à tout moment chercher à s'évader. J'avais dans ma cellule deux autres personnes qui couchaient par terre pour me surveiller en permanence. Pendant ces 10 ans, j'ai vécu sous la peur notamment d'être exécuté, la peur de subir des exactions de la part de ce comité d'encadrement qui pouvait aller jusqu'au point de tuer des gens. Et d'ailleurs, un jour, moi, je les ai filmés en train de passer à tabac des prisonniers qui étaient soupçonnés de vouloir leur arracher leur pouvoir qu'ils avaient en prison, leur ont injecté des produits que je ne connais pas à travers des seringues. C'était fait en face de ma cellule. J'avais peur en voyant cela, en voyant des gens ligotés, tabassés toute une nuit. Cette peur-là, c'est un élément principal de la vie quotidienne en prison. C'était une violence permanente, constante. C'est dans ce milieu violent que j'étais, malgré moi, obligé de recevoir mes enfants. Ma femme venait de me quitter parce qu'elle en avait marre de cette situation qui durait depuis 10 ans. Ça va porter. C'est super. J'essayais, dans la mesure du possible, de rendre l'ambiance joyeuse, d'être assez bien habillé, d'être joyeux avec eux, pour pas qu'ils soient tristes, pour pas qu'ils soient déprimés dans leur vie. Mais je ne pouvais plus supporter de voir mes enfants grandir pendant que moi je suis en prison. Moi je me suis dit qu'il fallait tenter le tout pour le tout. Il fallait que je prenne mon destin en main et que je m'évade de cette prison. J'ai réfléchi et j'ai trouvé un plan. J'ai décidé de me déguiser en femme, comme une visiteuse, et pouvoir sortir. Mais pour cela, j'avais besoin d'une aide. Et j'ai eu l'aide de ma nièce, Genèse, qui est venue dans ma cellule comme une visiteuse. Et elle s'est mise à me maquiller. J'avais peur. Peur qu'on vienne frapper à la porte, peur que ça ne marche pas. J'ai transpiré, elle a dû refaire le maquillage un peu plusieurs fois parce que bon, l'émotion me faisait transpirer. C'était très risqué pour Genèse. Si on l'avait attrapée, peut-être qu'elle allait me rejoindre en prison. Je fais ça premièrement par amour et deuxièmement pour arracher sa liberté à la personne qui est innocente. Parce qu'il est innocent, on doit arracher sa liberté. Toute la nuit, je n'avais pas eu sommeil et je suis réveillée le matin. Son père est entré, on a commencé. Et quand on voulait sortir, je dis à Vomi que non, on sort. J'avais une robe bistrée qui était stretch, était courte. Et les gens disaient, waouh, quelle belle créature, ça vraiment tu as la taille. Et les gens s'intéressaient plus à moi qu'à Vomi. J'ai rencontré des membres du comité d'encadrement. Je les ai vus, ils m'ont vu, ils ne m'ont pas reconnu, mais j'avais le cœur qui battait la chamade, pas possible. Ah bon.
Premier gardien, on ne l'a pas reconnu. Deuxième gardien, on ne l'a pas reconnu. Troisième gardien, on ne l'a pas reconnu. Quatrième gardien pour donner les jetons, on ne l'a pas reconnu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Un agent nous a demandé de montrer notre jeton. J'ai remis le jeton. Il a regardé, il a vérifié si c'était un bon jeton. Et puis il m'a dit, maman, tu peux partir. J'ai mis le pied dehors, j'ai touché le sable. Et j'ai regardé en l'air. J'ai vu des arbres, les manguiers qui sont là. J'ai dit, tiens, c'est vrai. Je suis dehors. J'ai senti le vent qui me balayait le visage. Je marchais dans le sable tout doucement. C'était pour moi la liberté. C'était pour moi une nouvelle vie, une nouvelle naissance comme telle. Je revenais au monde, au vrai monde. J'ai pu traverser le fleuve clandestinement pour me retrouver à Brazzaville. Et arrivé à Brazzaville, l'un des moments les plus joyeux pour moi, c'est quand finalement, j'ai pu revoir mes enfants. Mon ex-femme a permis que je puisse avoir la responsabilité de garder mes enfants. L'USR nous a accordé le statut de réfugié politique. Et en ce moment, nous attendons d'avoir un pays d'accueil en Europe. La première chose que j'espère pouvoir leur offrir, c'est une éducation de meilleure qualité. Ma nièce Genèse n'a pas encore eu la reconnaissance de son statut de réfugié politique. C'est une douleur pour nous parce que nous devrons partir. Peut-être sans elle, mais nous espérons que ça va aller assez vite pour elle, parce que c'est notoirement connu que c'est elle qui m'a aidé à m'évader. C'est impossible pour elle de rentrer là-bas. Je suis heureux d'être en liberté, mais le prix à payer, c'est l'exil. C'est une blessure permanente que de savoir qu'il y a un endroit où on ne peut pas arriver et que cet endroit, c'est ton propre pays. C'est une vie provisoire que je mène à Brazzaville, mais pour autant, je ne veux pas rester sans rien faire. Je dois poursuivre le combat. Une vie provisoire. Qui sont des millions et des millions d'hommes, de femmes, menant une vie provisoire. Ils attendent. Témoins passifs et résignés d'un monde mal fait. C'est le demandeur d'asile, le réfugié errant à travers les frontières, traînant parmi ses bagages en quête d'une terre qui veut bien les recueillir. Ce sont ces populations d'analphabètes qui ont élu des inconnus et qui maintenant attendent la fin de la tyrannie afin peut-être de reprendre le cours de leur rêve là où ils s'étaient interrompus. Ils attendent pendant 10, 20, 30, 40 ans. Ils attendent. Et puis un jour, ils sont frappés par la mort. Monter cette pièce et parvenir à monter sur scène après 10 ans et avoir des félicitations de la part des gens, c'était pour moi une première grande victoire. Parce que c'était un défi artistique, un défi humain, tout simplement. Là, on sent qu'on collabore avec les gens, on transmet un message qui est écouté. Oh, c'était une grande victoire pour moi. La deuxième grande victoire pour moi depuis l'évasion, c'est le fait que finalement, la Suède
a reconnu mon statut de réfugié politique et m'a accordé l'asile. C'est bien comment ? Je ne peux pas m'imaginer partir sans mes livres. Je préfère encore laisser les habits que laisser mes livres. Je vais lire ces livres dans une position un peu d'un homme victorieux, d'un homme qui a vaincu pas mal d'obstacles. Ça sera un nouveau regard, une nouvelle lecture, une lecture plus heureuse. Enfin, j'espère. Non. Ce monsieur a eu le prix Nobel de littérature, Hermann Hesse. On ne jette pas un prix Nobel de littérature. Hé, papa, elle va où discuter. Je vais t'aller voir ça. Flora, je t'avais dit que demain vous allez déjà partir. Vous allez partir. Et il faut avoir un grand cœur de maman. Une mère qui supporte tout. Le cœur d'une mère, c'est comme l'océan. L'océan reçoit tout. Toutes les salités, l'océan reçoit. Et toi, il faut s'occuper de Michel-Ange comme sa maman. Et maman, tu veux la revoir? Quand tu vas revoir qui? Maman. Bien sûr, tu les verras. La vie continue. La vie continue, tu les verras. La vie continue, tu les verras toujours. Les enfants seront loin du pays, loin de leur maman. C'est une blessure, mais c'est quelque part le prix à payer pour les opportunités qu'ils vont avoir. Mes pensées se portent vers les gens que je laisse derrière moi, qui sont en prison. Je pense par exemple au vieux qui est très malade et qu'on ne veut pas soigner. Je pense à fille qui était un simple étudiant et qui n'a rien à voir dans cette affaire. Je pense à tant d'autres personnes qui sont malades, qui sont innocentes. Je ne me sentirai vraiment totalement libre que le jour où eux aussi seront libérés. Mon espoir est que Genèse nous rejoigne le plus vite possible, que son dossier marche rapidement. Vraiment, c'est notre souhait le plus ardent. Flora est en pleurs, mais je pense qu'elle ne réalise pas totalement qu'à travers cette douleur s'ouvrent aussi des portes victorieuses, des possibilités pour une vie meilleure pour elle. Non seulement pour elle, mais pour moi aussi. Désormais, ma voix pourra être mieux entendue. Je pourrai mener mon combat avec beaucoup plus d'efficacité là-bas, en Europe. Je pars et je pense que c'est mieux ainsi.